Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro et cette fois-ci on va s'intéresser tout de suite à quasiment un vieux jeu d'arcade sorti en 1993, édité par Irem, la même société qui a produit de nombreux jeux à succès, notamment R-Type. Alors le jeu se nomme Super Bowl. Oui, Super Bowl Ninja Batman, un jeu où mettant en scène des joueurs de baseball sapés comme des ninjas. Et vous l'aurez compris, il s'agit d'un bon petit beat em up style, mais quasiment mes derniers cris. Et ce jeu, très sincèrement, il a la classe. Il a la classe, franchement, je ne vais pas vous mentir, tellement il est très spécial. Alors, comme je viens de vous le dire, on contrôle ces espèces de ninjas sapés comme des joueurs de baseball. Et leur but est d'affranchir les niveaux et ramener des morceaux de baseball, que ce soit un gant, une batte, une balle... qui a été volé par un méchant. Et le but est de traverser ces niveaux et de récupérer tous les morceaux. Un peu comme si on refait le scénario des premiers épisodes de la série Sensia ou Chevalier du Zodiaque, où au lieu de ramener les morceaux d'une armure d'or, on ramène des morceaux d'une statue en or. Mais sinon le jeu ça va, il est assez classe, ça va, il est bien, enfin encore faut-il qu'il le soit vraiment. Par contre les ennemis dans ce jeu sont assez chiants, limite... Oula attention. Oh là. Oui alors comme je viens de vous dire, les ennemis dans ce jeu sont assez chiants. Alors les ennemis sont seulement légion, ça va à la compte des battes, des balles. Et là pour l'instant on insiste au premier boss dans ce jeu, un avion. Sorti tout droit d'un vieux cartoon style années 30 à la Cuphead. Oh tiens, attendez, là il y a un pink. Alors là le pink il sert à invoquer ces magnifiques danseuses et de lancer des attaques. Alors évidemment comme vous l'aurez compris, ce jeu c'est littéralement un croisement entre un jeu Super Sentai, enfin une série Super Sentai mélangeant avec du baseball, où on contrôle des mecs sapés comme des ninjas avec des costumes style joueur de baseball. J'en profite également pour faire une dédicace à tout... Ah bah c'est super, j'ai réussi à battre le premier boss, et on a récupéré le premier morceau, une batte en or. Voilà, parfait. Ça va, le jeu ça va, il n'est pas trop dur. Et vous l'aurez compris, on contrôle 4 ninjas joueurs de baseball, et qui sont symbolisés par des couleurs. Là pour l'instant j'ai pris le joueur qui est représenté avec une couleur rouge. Voilà, ce jeu c'est Bioman version baseball quoi. Et vous l'avez compris, hein, force rouge, force vert, force jaune et force bleue. Par contre il n'y a pas de force rose. Enfin si, il y a des forces roses, mais bon c'est les fameuses danseuses qu'on a croisées tout à l'heure. Et s'ils le font on les retrouvera. Et là pour l'instant là on continue, là on tabasse des petites voitures. Et là je suis en train de tabasser des nuages de fumée. Bravo, et... Oh qu'est-ce que c'est? Oh mais c'est génial. Waouh. Ouh là. Oh il me réclame. Ok, là je sais pas ce qui s'est passé, il y a une espèce de géant qui a rassemblé des balles de baseball et qui s'est agrandi, je sais pas pourquoi. Ah là on affronte des calamars. Calamar à la romaine, voilà, super, allez, ouais, mince. Oui, alors attention à ces calamars, ils vous lancent des, comment dirais-je, des souffles glacés, hein, qui vous permettent de vous transformer, mais en statue de glace. Ah, une voiture. Alors, les voitures aussi, elles vous permettent de, comment dirais-je, d'écrabouiller les ennemis, en un coup, si je puis dire. Mais le jeu, ça va, il est bien, il est original, ça va. En plus, comme je viens de vous le dire, ce jeu a été édité par Irem. Sorti en 1993 sur Arcade, Irem qui en doit bien sûr de nombreux jeux à succès, notamment Kung Fu Master, en passant par R-Type. Bref, une grande société, je sais plus si elle existe encore, enfin je sais pas, si elle existe tant mieux, si elle existe plus c'est pas grave. Allez, on tabasse encore les calamars. Ah oui, quand les ennemis sont à terre, on peut les bolosser. Ah super, attendez, parce que là on a croisé le boss. Oui, alors les boss dans ce jeu sont quasiment légion. Là, tout à l'heure, on va affronter un avion. Et là, on va affronter... Oui, alors, n'hésitez pas aussi à comment dirais-je, à ramasser les items, que ce soit de la bouffe ou des armes. Et voici donc le deuxième boss de ce jeu. Une voiture. Wow, c'est original, ça. Mad Lax. Super, on connaissait Mad Max. Et là, on a Mad Lax. Ok. Oh, attention, attention, oh là là, il y a force rouge qui est à terre. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va prendre notre personnage. Tiens, on va prendre force verte. Voilà, qui... Oui, alors, les... comment dirais-je... Les persos dans ce jeu sont armés de certaines armes. Notamment, là, force rouge, il est armé d'une batte. Lui, il a le force verte, il est armé de deux battes. Le force jaune, c'est une massue. Et l'autre, c'est... le force bleu, si je me souviens bien, c'est... un bâton, style beau. Un peu à la manière de Donatello dans les Tortues Ninja. Ah oui, ah oui, et n'hésitez pas à ramasser ces petites plateformes qui vous servent de projectiles. Attention, oui, attention, 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 allez, on se calme la bagnole. Ah, super, super, super. Ah, voilà, parfait, 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 parfait. Et on a retrouvé un autre morceau de la statue. Après la batte, la balle en or. Voilà. Non, ça va, le jeu est classe. Ah, un bon stage. Oula. D'accord, à mon avis, si j'ai bien compris, il faut presser cette balle, comme si c'était un citron. Oui, ah, et merde. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ce bonus stage était quasiment nul. Allez, niveau 3 maintenant. Oui, alors comme je viens de vous le dire, il faut traverser tous les niveaux et récupérer les morceaux de la statue qui a été dérobée. Pour l'instant, on a réussi à avoir deux morceaux. Bon, là, si je me souviens, d'après ce que j'ai compris, on est à Las Vegas. Ouh là! Le jeu, ça va, franchement, est très 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 sympa et bien fluide. C'est original. Ouais, ce jeu mérite vraiment une adaptation en série animée, je sais pas pourquoi. Ah, ah, ok, ok, on ramasse. Allez, il envoie la balle. Ouh là 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 là. Attention, 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 attention. Oui, attention, parce que les ennemis en question, ils sont très rapides, ils peuvent très bien vous bolosser. Voilà, aïe. Oh, eh oh, ça suffit. Ah, la bagnole. Oui, alors, la voiture, elle vous permet d'écrabouiller les ennemis. Et on peut s'en servir qu'une fois par niveau. Attention, ah mais ça, ah zut, ils ont buté, comment dirais-je, la voiture. Bon, c'est pas grave, on va faire appel à Force Jaune, qui est un peu le gros bourrin du groupe. Voilà. Eh mais ce jeu, c'est vraiment mis Bioman à la sauce baseball, quoi. Avec une pincée de ninja en plus, parce que je vois bien que les mecs en question sont des ninjas. Ouh, qui pratiquent le baseball. Allez, allez. Voilà, ok, voilà. On bolosse, on bolosse, on bolosse, on bolosse, on bolosse. Oh là, c'est une espèce de petit extraterrestre, là, et il me rappelle quelqu'un, je sais pas pourquoi. Allez, il faut faire attention parce que quand les personnages se font un peu battre, ils sont illimités en vie. Et ça, c'est vraiment un petit peu chiant. Hein. Parce que les ennemis en question, ils beaucoup vous bolosser. Hein. Ah, ok. Là... Attention, 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 oui, attention, attention, parce que, comme je viens de vous dire, les ennemis en question, ils sont très rapides, ils sont très véloces, ils sont capables de vous bolosser, mais ouf, mais en mode furie, quoi. Non, mais ça va, le jeu est pas trop dur, ça va, le jeu est pas trop dur, on peut très bien le maîtriser si on arrive bien à le manœuvrer. Ah, bon, là, j'aime pas beaucoup ce personnage, là, avec... il s'appelle comme les... Comment c'est, je crois, les récupérateurs. Voilà, avec leur bouclier. Allez, oui, encore. Allez, encore. Allez, ouh là là, d'accord. Ok, force jaune éliminée. On va faire appel à force bleue. Voilà, le fameux force bleue qui... Oh, attention. Oui, alors attention à ces petites balles. Ce sont des bombes. Des bombes explosives. Et donc voici donc le fameux... ah oui, le ninja à force bleue, armé d'une balle de baseball en forme de bâton. Ouh, oh là là, j'aime pas ce personnage-là. Enfin, je parle du méchant, pas le personnage en bleu, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Ah, attendez, est-ce qu'on peut les péter, ces petits... Non, on peut pas les péter, voilà. Ah, et voici le boss. Oui, alors quand les espèces de balles de baseball sortent en lançant des trompettes, ça signifie qu'un boss va s'approcher. Attention, attention, parce que là il faut vraiment faire gaffe parce que... Attention, 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 voilà, oui. Faut faire attention aux boss aussi, ils sont véloces. Mais ça va, le jeu, ça va, si on le maîtrise bien, il est pas trop dur. Il est pas trop dur. Aïe, mais putain. Ah, oui, attention, parce que lui, son attaque, c'est de... de faire le bandit manchot. Voilà, bidon d'huile, c'est bien. Voilà, allez, allez, voilà, allez, il envoie la balle. Ah, attends, ah mince, ah zut. Oui, évitez de vous approcher de lui parce que franchement, il vous... D'ailleurs, tout le monde aime bien vous bolosser, c'est vraiment, mais... Allez, encore, yes. Allez. Oh, aïe. Voilà, encore des bidons. Bon, attendez, on va reprendre force rouge. Voilà. Allez, on le bolosse. Ah, mais ça, je voulais m'écarter, mais sans succès malencontreusement. Aïe, putain. Bon, bref, c'est comme dans les beat em up classiques. Il faut quasiment mais faire gaffe à se donner un fond tout en restant prudent. Voilà. Et pourtant, j'en ai testé des beat em up. Depuis que j'ai lancé ma chaîne, j'ai souvent testé des beat em up. Hein. Et j'en ai souvent fini quelques-uns jusqu'au dernier. Évidemment, les jeux en question, ça va à l'encontre de Violent Storm, comment il s'appelle, Burning Fight sur Neo Geo, Les Simpsons. Ah super, ça y est, j'ai réussi. Et on a récupéré un autre fragment de la statue, la casquette. Voilà.